J'ai écrit ces prix à la foire de Francfort il y a 17 ans. Voilà. Et tous les ans, nous réunissons les meilleurs livres du monde. Cette année, nous en avons reçu de 162 pays, à peu près 8 à 10 000 livres. On ne les compte plus parce qu'on en reçoit trop. Il y a beaucoup de livres culinaires qui sortent dans le monde aujourd'hui. Beaucoup. C'est une tendance extraordinaire et je dirais que vous avez vu ce soir, les gens qui font ça ont toute une qualité humaine tout à fait intéressante. Comment vous sélectionnez les premiers prix? Est-ce que c'est difficile à faire? Le processus est très rapide pour, je dirais, 80-90% des livres. Et ensuite, vous avez des livres qui surnagent. Quelquefois, c'est évident que le livre est bien meilleur que tous les autres. Et puis alors, la plupart du temps, il y a plusieurs pays en ex aequo. Et là, c'est très difficile de départager. Ça prend beaucoup de temps, en fait. Le prix est honorifique, mais surtout, ça ouvre des portes dans le monde entier aux éditeurs. Quand un auteur gagne ici, il peut espérer être traduit. Et ça, monétairement, ça peut être très intéressant, ça donne du prestige, ça permet de faire un deuxième livre, un troisième livre, ça ouvre beaucoup de portes, comme a dit même quelqu'un sur scène, espère grâce à ce prix être reconnu par l'UNESCO. Je dirais le prix a énormément de crédibilité dans le monde. Bonsoir, merci à tous d'être venus aussi nombreux, merci au jury. Merci au chef de m'avoir fait confiance, de m'avoir dit leur petit secret. I'm very pleased to receive that award. I'm very proud. Muchas gracias por este regalo. Recevoir le premier prix du jury international, je suis très émue. En fait, c'est grâce aux chefs qui se sont confiés à moi, qui m'ont révélé leurs petits secrets ainsi que leurs astuces et là où ils faisaient leurs achats. J'espère que le livre va franchir les frontières et que nos chefs français de France et de Navarre seront connus all over the world. La gastronomie, c'est une passion depuis toute petite. Il m'a suffi de comprendre et d'écouter les chefs et de coucher sur le papier leurs phrases, leurs mots, leurs émotions. C'est comme à l'école, on a un prix, sauf que là, c'est un prix international, le premier prix du jury. Je suis très fière.